Bonjour, mon nom est Isabelle Galland, je suis travailleuse communautaire dans le milieu féministe et aujourd'hui j'accueille Madame Pauline Marois et Madame Martine Delvaux pour un entretien qui s'appelle Au-delà du Boys Club. Donc, commençons avec Martine Delvaux. Vous êtes écrivaine, professeure et militante féministe. On vous doit entre autres les essais Les filles en série et Le monde est à toi. Dans votre dernier essai intitulé Le Boys Club, vous dressez un portrait nécessaire et vraiment très critique de l'organisation du pouvoir au masculin qui se perpétue depuis des millénaires. Cet essai démontre avec beaucoup d'illustrations que depuis des centaines d'années, ce sont des hommes qui tirent les ficelles invisibles du pouvoir, où la femme est souvent réduite au rôle d'ornement. Donc, c'est un essai qui est très bien nourri et fait avec beaucoup de rigueur. On a aussi avec nous aujourd'hui Madame Pauline Marois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, femme politique ayant fait partie de la vie publique du Québec depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Vous avez cumulé des ministères importants au cours de votre longue carrière. On pense à la santé, l'éducation, les finances. En 2012 aussi, Madame Marois, vous avez été la première femme à être élue première ministre du Québec. Cet automne, vous venez de faire paraître votre biographie qui s'intitule Au-delà du pouvoir, une biographie où vous racontez votre parcours de vie en politique active. Donc, réunies avec nous aujourd'hui, nous avons deux femmes qui expérimentent et qui réfléchissent au pouvoir. Mesdames, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du Salon du livre de Rimouski. Merci à vous de m'organiser. Oui, c'est tellement important parce que malgré la pandémie, au contraire, donner accès aux livres. Ouais. D'être créatif et de trouver Oui. plein de moyens pour que vous puissiez vous rendre à nous. Voilà. Donc, Martine Delvaux, dans votre dernier essai, vous expliquez les différentes figures du Boys Club. Vous dénoncez aussi les conséquences du Boys Club sur les femmes, mais pas seulement sur les femmes, sur toutes les personnes qui sont exclues un peu de ce groupe sélect-là. On peut penser aux personnes racisées, aux personnes issues des minorités sexuelles. On sait que c'est un concept et un mot qu'on utilise quand même souvent, qui fait partie du langage populaire, mais qu'est-ce que vous entendez par Boys Club? Juste pour qu'on s'entende de quoi on parle aujourd'hui. Qu'on mette la table du Boys Oui. Club. Pour comprendre ce que c'est, bon, comme vous l'avez dit dans la présentation, je me suis d'abord penchée sur ce que j'ai appelé les filles en série, donc le rôle ou la place donnée aux femmes en tant qu'ornement. Et quand j'ai parlé de ça, quand j'ai publié là-dessus, on m'a interrogée, on me disait, mais qu'est-ce qu'il y en est des hommes? Parce qu'eux aussi, bon, ils sont tous un peu habillés pareil, ils se ressemblent, donc qu'est-ce qu'on dit d'eux? Et je me suis mise à m'intéresser à cette figure que je voyais partout, d'hommes assis en rond ou debout en rond, mais autour de quelque chose, qu'il s'agisse d'une constitution, d'un projet de loi, d'un ballon de football. Je voulais voir un peu de quoi ça retournait tout ça. Donc, pour essayer de comprendre cette expression qu'au Québec on utilise, qu'on utilise moins, on commence un peu plus en France, mais qu'on utilise moins en France, mais ici c'était quand même assez courant. Je suis retournée aux origines de cette expression, qu'est-ce que ça veut dire le Boys Club? Et je me suis donc intéressée aux clubs privés anglais à la fin du 19e siècle. Et un peu, c'est pas l'origine du Boys Club, évidemment, les hommes font des affaires ensemble depuis tout le temps, donc c'est pas nouveau, mais à la fin du 19e siècle en Angleterre, il y avait littéralement ce qu'on appelait des boys clubs. Il y en avait vraiment beaucoup, avec de longues listes d'attente. Et ils étaient fréquentés, ces clubs privés, par des hommes de la classe, d'une classe financière élevée. Ils étaient blancs, c'était des hommes beaucoup en position de pouvoir. Et c'était devenu un peu leur deuxième maison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, bon, d'une part, qui quittait la maison familiale pour se redomestiquer ailleurs, mais entre hommes. Donc là, il y a tout un sous-texte, bon, d'homo-érotisme, on pourrait dire, à travers tout ça. Il y avait une sorte de mise en péril de leur masculinité, d'après ce que j'ai lu, évidemment, d'une part parce que les femmes étaient devenues ces anges au foyer, et d'autre part parce que les suffragettes commençaient à prendre du galon et à faire bouger les choses par rapport au droit de vote. Mais à l'intérieur de ces clubs privés, qui existent encore aujourd'hui, hein, bien entendu, en Angleterre, aux États-Unis, moins ici, les hommes qui y allaient pouvaient brasser des affaires comme si c'était une voie de garage par rapport à la démocratie. Donc, encore aujourd'hui, et dans les dernières années, un journaliste anglais a dénoncé le rôle de ces boys clubs. Il écrivait pour le Guardian et il disait, mais en fait, c'est comme si la démocratie où les décisions politiques se prenaient dans ces clubs privés au lieu de se prendre en chambre où ça devrait être fait, puisque vous êtes les représentants du peuple, alors que vous restez entre vous et vous êtes des hommes de pouvoir et vous faites ça, bon, en circuit fermé.
Donc, cette affaire du Boys Club, elle est pour moi majeure. C'est extrêmement important d'y réfléchir par rapport à la démocratie. Donc, il y a le politique, et dans mon livre, je l'ai un peu ramené à Donald Trump parce qu'au moment où j'ai écrit le livre, c'était vraiment la figure la plus emblématique d'une remise en question totale du pouvoir démocratique. Donc, Trump, qui à lui-même est un Boys Club parce qu'il est comme en mille et une image de lui-même, là, il carbure à sa propre image, mais parce qu'il a lui aussi un club privé. On oublie qu'il est propriétaire d'un club privé en Floride et que c'est devenu une extension de la Maison-Blanche. Donc après, les Boys Clubs, on peut les débusquer, c'est ce que j'ai essayé de faire en partie parce que c'est à l'infini, mais ils sont partout. Il y a les fraternités sur les campus américains, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande portion du Congrès américain est issue de ces fraternités qui sont des Boys Clubs à eux-mêmes. Que Silicon Valley aussi, dont sont issus tous les réseaux sociaux qu'on utilise en ce moment, sans doute Zoom aussi, naissent de ces garçons qui ont fait leurs études dans des universités privées, qui ont fréquenté des fraternités et qui donc ensuite se sont retrouvés à Silicon Valley. Boys Club en architecture, Boys Club chez les urbanistes, Boys Club en art, Boys Club, bon. Et après, je finis le livre avec cette figure qui pour moi est la plus violente du Boys Club, c'est cette image qu'on nous sert tout le temps, bon, un peu moins maintenant parce qu'on est un peu plus éduqués, je crois, les publicistes, mais on l'a vu en publicité pour vendre des bijoux, des vêtements, des voitures, de la bière, bon, des hommes ensemble autour d'une femme, et c'est la figure du viol collectif qui est vécue par des femmes dans la vraie vie, mais qui est reproduite, cette figure, dans les téléséries, au cinéma et comme je disais, dans les publicités. Et voilà, en gros, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans mon livre pour qu'on puisse diagnostiquer c'est quoi un boys club. Si vous permettez, je peux m'introduire dans l'échange. Oui, bien sûr. Alors, Martine, j'ai pas terminé de lire Boys Club, mais j'en ai lu une grande partie. D'abord, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas l'écriture de Martine Delvaux, c'est une écriture très recherchée, c'est très fouillé, il y a beaucoup de recherches et il y a aussi une analyse sociologique qui est faite, etc. C'est très intéressant. Mais là, le commentaire que je me faisais, et encore une fois, là, j'ai pas terminé, mais j'ai quand même dépassé la moitié. Le commentaire que je me faisais, c'est je crois qu'on commence à se débarrasser, et on se débarrasse déjà depuis un long moment, de cette réalité-là au Québec. Elle existe encore, cette réalité. Je ne la nie pas, loin de là. Mais, par exemple, même physiquement, il n'y a plus de club privé réservé aux hommes. Ça n'existe plus au Québec d'aucune façon. D'ailleurs, mon ancienne patronne, Lise Payette, avait fait une bataille contre le club privé de la garnison à Québec où les femmes devaient... En fait, les femmes n'étaient pas admises. Quand elles y allaient, elles devaient entrer par la porte en arrière. Ouais. Et seulement à la fin, là, de... Alors... Ouais. Les tavernes, on pourrait parler des tavernes au Québec, qui étaient aussi une forme de... C'était le lieu privilégié. Ouais. Mais... je sens que on a une approche plus féministe finalement au Québec sur l'ensemble de ces questions. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas encore, bien sûr, des lieux où s'exerce cette façon de se comporter, de se réunir, mais c'est de moins en moins vrai. Et moi, je suis très fière de cela. Très contente de cela, parce que quand on regarde, votre exemple avec Trump est absolument fascinant à regarder, c'est tellement vrai, c'est tellement ancré dans le modèle anglais, modèle britannique, et c'est transporté chez nos amis américains. Mais effectivement, vous le décrivez très bien et fouillé aussi au plan sociologique, au plan historique. Mais je pense que ce qu'il faut pas oublier, c'est vous avez raison, puis vous avez été franchement, moi j'ai lu votre biographie, j'ai constaté ce que je savais, mais que j'ai vu dans le détail, tout ce que vous avez fait pour la cause des femmes. Mais il s'agit pas de dire qu'il y a pas eu tout ce travail et que le féminisme a pas porté fruit au Québec, loin de là. Mais il faut, je pense que c'est important de prendre ces figures, de rappeler d'où elles viennent et d'essayer de ne pas penser qu'elles sont absentes. C'est qu'elles continuent. Et ça continue de manière peut-être plus insidieuse au Québec que dans d'autres pays où c'est encore plus évident, plus clair. Mais ce côté insidieux du Boys Club, il fait quand même que
Très souvent, quand on feuillette les pages d'un journal, ben les albums, les longs jeux, bon, on ne dit plus ça aujourd'hui, là, mais les albums de musiciens ou les livres qui vont être mis en avant vont être majoritairement ceux d'artistes masculins. Et ça paraît banal, mais en même temps, c'est comme ça qu'on reproduit une culture majoritairement masculine. D'ailleurs, pour la dernière course à la chefferie du Parti québécois, on avait un débat avec seulement des candidats masculins. Ben, donc, on le voit encore, au niveau du dernier débat aussi au fédéral, on avait des hommes qui parlaient du droit à l'avortement. Donc, on le voit encore fréquemment. Mais les terrains de golf existent toujours aussi pour brasser des affaires, même si ce ne sont plus des groupes sélects fermés dans des endroits où les femmes n'ont pas le droit d'entrer. Vous mentionniez le fait qu'il n'y avait pas de femmes candidates, et moi je l'ai déploré à l'élection à la présidence du Parti québécois. Mais il y a un autre fait qu'il faut observer aussi, et moi je l'ai vu de très près parce que j'étais première ministre. Il y a eu à un certain moment au Canada 5 femmes premières ministres dans les provinces. Ouais. Il n'y en a plus une, peut-être à l'exception des territoires du Nord-Ouest, mais actuellement, il n'y a plus aucune femme première ministre au Canada et on était en train de renverser littéralement la vapeur. Et on les a vu partir comme ça tranquillement, elles sont disparues. Les unes après les autres, pour toutes sortes de raisons. Certaines ont été défaites, d'autres ont quitté. La plupart ont été défaites, mais certaines ont quitté. Je pense à la première ministre de Terre-Neuve qui a décidé de quitter et puis c'est un homme qui l'a remplacée. Donc, il n'y a pas d'acquis très solide au niveau de la représentation des femmes. Je pense qu'il va falloir continuer à se battre. Vraiment. Madame Marois, pendant votre longue carrière politique, vous avez été une femme entourée d'hommes de pouvoir et d'hommes de pouvoir quand même de leur époque. Vous le dites comme ça dans votre livre. Oui. On pense aux plus connus, Jacques Parizeau, René Lévesque, Bernard Landry. Vous étiez très, très souvent minoritaire en tant que femme là, aux tables. Oui. De passer les discussions aux tables de travail. Vous dites également dans votre livre que vous ne faisiez pas partie du Boys Club parce que vous aviez de jeunes enfants ou si vous étiez une femme, donc vous étiez d'emblée exclue des décisions qui se prenaient ou des alliances qui pouvaient se créer autour d'un verre ou de manière informelle. Est-ce que vous considérez que ça a influencé votre parcours politique d'avoir été en quelque sorte exclue de ces lieux-là? Ça l'a influencé dans un sens que ça m'a obligée à me battre davantage. Parce que les obstacles étaient plus grands et j'avais pas naturellement les réseaux. Bon, et tout ça, c'est très insidieux. Je pense que Martine utilisait ce mot-là. C'est très insidieux. Hein? C'était pas un rejet. Mais il était tellement habitué de se réunir, aller prendre un verre, aller jouer aux cartes, que c'était inusité d'imaginer qu'ils puissent m'inviter à ces activités-là. Puis par ailleurs, moi-même, j'avais pas trop le goût parce que j'en avais plein les bras avec les enfants, la famille, puis je voulais avoir du temps un peu chez moi. Alors donc, mais ça m'a obligée à travailler plus fort. Et souvent, parce que j'avais pas les réseaux ou que j'avais pas ces échanges informels qu'on a avant une décision au Conseil des ministres ou avant un débat sur un projet de loi, sur un nouveau programme ou quoi que ce soit, ça m'a obligée à arriver très bardée. Ça, c'était remarqué que c'était une force en même temps parce que on pouvait pas me prendre en défaut. En tout cas, on m'a pas pris en défaut souvent, je peux vous dire ça. Je travaillais très fort mes dossiers, je préparais mes arguments. À la fin, je dirais, dans les dernières années, j'essayais au moins de convaincre avant d'arriver au conseil certains de mes collègues de telle sorte que je puisse m'en faire des alliés. Mais ça non plus, on n'a pas cette habitude-là comme femme de négocier. On est un petit peu trop... c'est une qualité, en même temps, c'est un défaut. On est très pur. T'sais, on veut pas... On dit, je vais convaincre, mes arguments sont tellement bons. La valeur du projet est tellement reconnaissable. Pourquoi quelqu'un s'opposerait finalement? Mais parfois, il y a toutes sortes de points de vue qui apparaissent et qui sont légitimes parce que les gens pensent comme ça ou ont un point de vue différent. Alors donc, dans ce sens-là, ça m'a obligée à me battre davantage, ça m'a obligée à mieux me préparer, me barder, de telle sorte qu'on ne pouvait pas me prendre en défaut sur le fond.
évidemment, sur les questions stratégiques, sur la pertinence ou non de prendre telle décision ou pas. Mais ça, je participais au débat avec tout le monde, finalement. Mais j'ai été longtemps, j'ai été seule pendant un temps au Conseil des ministres. Et ça a été le lot des femmes qui m'ont précédée. Hein. La première femme élue, Claire Coquelin-Casgrain, a été seule au Conseil. Puis après, c'est Lise Bacon qui a été la suivante, et puis du Parti libéral à l'époque, qui était une femme très forte et qui a occupé des fonctions importantes dans des postes qui étaient non traditionnels à l'époque pour les femmes. Hein. Elle a été ministre des Ressources naturelles, était vice-première ministre, mais elle a été seule. Jusqu'en 76, il y a eu une seule femme membre du Conseil des ministres. C'est avec l'arrivée du Parti québécois, je pense que les libéraux à ce moment-là avaient eu aussi quelques femmes de leur côté, qu'on va avoir un plus grand nombre de femmes, enfin, 5 ou 6 ou 7 ou 8 femmes qui vont entrer à l'Assemblée nationale en même temps et au Conseil des ministres. C'est intéressant ce que vous dites, hein, parce qu'on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur chez les femmes en politique, donc elles doivent doublement travailler. On ne pardonne jamais à une femme d'être brouillonne, de ne pas maîtriser ses dossiers. Elle ne peut pas se fier sur d'autres stratégies. Il faut qu'elle soit bardée d'informations, de diplômes. C'est ça. Extrêmement compétente, en fait, pour occuper ces... je me souviens, j'essaie de retrouver la phrase. Je voulais la retrouver, d'ailleurs, avant de vous parler ce matin, puis je ne l'ai pas retrouvée, mais c'est une de mes collègues qui avait dit, tu sais, un homme peut être médiocre la plupart du temps et réussir à se maintenir en place. Une femme ne peut jamais l'être. C'est ça. Au contraire, il faut qu'elle soit souvent, qu'elle ait encore plus de qualité pour être reconnue et acceptée et qu'elle puisse occuper ces fonctions-là sans être critiquée. Oui, et ça, on a tendance à l'oublier. Alors même quand on parle de quotas pour la parité en politique, quand j'entends « oui, mais là, n'importe qui va pouvoir être élu, des femmes incompétentes », et je me dis « mais attendez, les femmes sont toujours les plus compétentes parce qu'elles travaillent combien plus fort, c'est ce que vous confirmez, alors que les hommes, compétents, pas compétents, on ne se pose pas trop la question. C'est ça. Mais ce que je trouve incroyable, c'est de penser à cette solitude des femmes, ces femmes qui se retrouvent la seule femme dans un contexte d'hommes. Ça, c'est, bon, je parle du syndrome de la schtroumpfette à la fin de mon livre, mais c'est extrêmement douloureux pour moi de penser que des femmes sont seules comme ça. Ouais. Ce que j'ai trouvé extrêmement beau dans votre livre, c'est le réseau de femmes que vous remerciez de manière formelle ou informelle, d'ailleurs. Ouais. Mais on vous voit à l'extérieur du bureau, si on veut, ou même à l'intérieur, ou à côté. Mais il y a toutes ces femmes qui sont justement votre réseau. Et ce réseau de femmes qu'on a tendance à passer sous silence, en fait, on vit avec un réseau de femmes qui n'est pas visible, mais qui nous permet de travailler et d'avancer pour être devant ce réseau d'hommes qui, lui, se construit à la vue de tout le monde, en fait. C'est pas du tout secret, c'est pas du tout tabou que les hommes soient en réseau. Mais l'espace public a été occupé par les femmes, par les hommes, de façon, je dirais, sociologiquement naturelle. Ouais, ça a l'air drôle de dire ça, là, mais ça a l'air antinomique. Mais en fait, ils ont été à la tête de clubs sociaux. Ils ont été dans des clubs sportifs. Ils ont été, évidemment, dans les milieux politiques, que ce soit dans les mairies, que ce soit dans la députation. Alors que les femmes occupaient l'espace qui était plutôt privé. On prenait soin des enfants, on faisait du bénévolat dans les hôpitaux. Et il y avait des femmes leaders aussi qui étaient des religieuses dans les hôpitaux, mais qui ne prenaient pas la parole sur la place publique, n'étaient pas visibles. Ouais. Et ça, bien sûr, ça fait la différence parce que quand quelqu'un est habitué de prendre la parole sur la place publique, d'être en débat, ben il développe des qualités pour se faire, puis il a une visibilité, il acquiert une visibilité, tandis que c'était pas le cas des femmes. Et puis même je regarde dans les instances politiques, parce que j'ai fréquenté beaucoup mon parti pendant longtemps, je regardais souvent dans les gens qui venaient défendre des points de vue au micro. Des fois, ça avait une longue rendez-vous de gars avant d'avoir une fille. C'est moins vrai maintenant. Ben, en même temps, mais aujourd'hui, il y a des structures aussi. On va donner, on va faire des tours de parole, on va s'assurer qu'il y ait une surveillance pour qu'on passe d'un homme à une femme, une personne racisée, une personne non racisée. Ouais. On est vraiment plus au courant maintenant de ce qu'il faut favoriser la parole de tout le monde. Et même dans les structures actuellement du parti, là, il va y avoir une élection bientôt là, au sein des instances. Mais il y a des postes réservés.
Hein, il y a des postes, on dit ce poste-là, c'est une femme. Alors, on reçoit des femmes candidates. Ce poste-là, c'est un homme. On reçoit des hommes candidats. Pour garder un équilibre. Oui, ouais, qui sont mis en place. Madame Delvaux, votre essai qui a été publié quand même à l'automne dernier a fait beaucoup de bruit médiatique. C'est intéressant de voir comment la population, les médias ont réagi avec un essai comme ça, alors qu'on dit « Ah, ben il n'y a plus de plafond de verre, la parité et l'égalité est atteinte. » Et là, il y a des réactions quand même qui sont très émotives dans les médias. D'ailleurs, on va citer souvent votre nom, Madame Marois, pour illustrer qu'il n'y a plus de plafond de verre. Bon, les femmes peuvent avoir leur place en politique si elles ont de l'ambition. Je lance un peu ici la question à vous deux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les femmes sont moins représentées dans les lieux de pouvoir? Et tantôt, là, vous avez dit ben il y en avait beaucoup et là, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui fait que le pouvoir use plus facilement les femmes aussi? Ouais. Enfin, moi, je vais répondre sur ce que je sais, parce que moi, j'ai évidemment pas fréquenté du tout les sphères de pouvoir, sinon je les ai observées, mais je les ai pas fréquentées. C'est vrai qu'on dit ça, qu'il y a plus de plafond de verre, et en lisant la question quand je l'ai reçue, je me suis dit non, il est de plus en plus transparent, le plafond de verre, mais il est encore là. C'est juste qu'on a l'impression qu'il est pas là. Mm-hmm. Et tantôt, quand Mme Marois parlait par exemple, de la parole publique, prendre la parole publiquement. On a encore énormément de travail à faire pour encourager les petites filles, les adolescentes à prendre la parole publiquement, même à exister dans l'espace public. C'est pas si évident. Quand on pense à la rue, quand on pense au parc, les garçons sont là, ils sont ensemble, ils font du skate, ils jouent au ballon. Mais les filles ensemble, on n'a pas cette image. On leur fournit pas des installations pour qu'elles soient ensemble et qu'elles prennent place dans l'espace public. Pour moi, ça, c'est quand même un réel problème. Il y a une difficulté, moi, je le vois chez mes étudiantes dans une salle de classe, même si je donne des cours qui sont à grande majorité devant des femmes, les premiers à prendre la parole sont des hommes. Quand je donne une conférence sur le féminisme, qui prend la parole le plus longuement, qui pose la plus longue question, c'est toujours un homme. Et les femmes n'occupent pas l'espace de parole de la même façon. Et il y a des biais encore. Quand une femme parle, on a moins tendance à l'écouter. Sa voix est haut perché, on l'entend moins. On a plus confiance en une voix qui est plus basse à la radio, par exemple. Il y a plein de préjugés. Si une femme pleure, moi je me souviens d'une ministre qui a pleuré en conférence de presse, vous en parlez dans votre livre, Mme Marois, c'est terrible. Au même moment, Barack Obama pleurait devant les médias et lui, c'était insensé. C'est ça. Donc, il y a la question de l'émotion. On ne fait pas confiance aux émotions d'une femme. On reconduit de manière silencieuse un nombre effarant de préjugés, de stéréotypes qui collent à la peau des femmes. C'est épouvantable et étant consciente de ça, je pense vraiment que les femmes savent, au fond d'elles, que les milieux de pouvoir ne sont pas si... ne leur souhaitent pas tellement la bienvenue. Et on le voit récemment, il y a plein de femmes qui ont été en position de pouvoir dans certains conseils d'administration, à la tête de certaines institutions, et on les accuse de harcèlement psychologique très rapidement. Et on le fait sur la place publique. Et je me demande ce que ça dit, justement, des femmes qui osent aller dans des sphères de pouvoir. Bon, je pense que Martine Delvaux décrit bien une réalité auquel on est encore complètement et totalement confronté. Je pense qu'il y a des raisons historiques, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons sociologiques. Les raisons historiques sont liées à ce que je disais un peu tout à l'heure, à savoir que on a exercé des rôles de leader dans des sphères privées. On n'a pas pris la parole publiquement, donc on peut pas avoir fait cet exercice-là, s'être aguerri dans cet exercice-là. Quand tu es dans un réseau d'entraide, tu es moins dans un réseau de compétition. Quand tu es dans un réseau politique, il y en a de la compétition. On ne peut pas l'échapper. Alors, puis il y a aussi toute l'image qu'on se fait d'une femme. Madame Delvaux le disait aussi, là, toute l'image qu'on se fait. Une femme, ça doit être doux, ça doit être gentil. On a encore ça. Ça ne doit pas faire la chicane. Quand on élève le ton en plus, on a l'air hystérique parce que nos voix sont plus hautes. C'est un stéréotype qu'on porte alors qu'il y a des situations où, ben, qu'est-ce que vous voulez? Faut confronter, faut s'opposer, faut lever le ton. On n'a pas le choix de le faire. Et quand on le fait, c'est comme mal vu. Le mot ambition dans la bouche d'un homme, c'est grand, c'est bon. Faut avoir de l'ambition. C'est un homme qui a de l'ambition. Et autrement dit, il va réussir. Une femme qui a de l'ambition. Moi, j'ai eu droit à tout un éditorial un jour.
c'était un commentateur, c'est pas un éditorial, un commentateur, qui m'a traité d'une femme ambitieuse. Et je peux vous dire que c'était pas beau, hein? Mm-hmm. Parce que tu peux pas être ambitieux, ça veut dire usurper, justement, une place. Être, renier ce que tu es, finalement, au profit d'une ambition démesurée. Moi, j'avais répondu, vous savez, quand on veut être première ministre du Québec, là, puis qu'on veut réaliser l'indépendance du Québec, ben je m'excuse, là, ça prend de l'ambition. Si on n'en a plus, là, on va dire que bien des jours, on va lâcher, hein, parce que c'est tellement exigeant, etc. Mais ce sont des comportements et des attitudes qu'on voit mal chez les femmes. Mm-hmm. Il y a eu quelques articles qui ont été faits sur cette question, je pense que c'est dans Châtelaine, il y a quelques années, c'était très intéressant parce qu'on commençait à entendre des femmes dire « ben oui, moi je suis ambitieuse parce que je veux réaliser tel projet, parce que je veux que mon entreprise réussisse, parce que je veux adopter des mesures. Dans mon cas, moi je voulais adopter des mesures qui concernaient l'amélioration de vie, de conditions de vie des familles, des personnes âgées, etc. C'était ça moi, mon ambition, puis faire du Québec un pays. Bon, ça, donc ça, j'ai pas trop réussi, mais enfin. Mais alors donc, on a une perception de nous. Les médias continuent de nous envoyer aussi cette perception-là, la femme qui pleure versus l'homme qui pleure. Les vêtements et tout ça, j'en parle pas, là, parce qu'on a tellement parlé. Alors, c'est difficile. Puis, il y a nos propres réserves comme femmes. Et ça, j'aime pas ça le dire, mais en même temps, il faut se le dire. Les femmes sont... en fait, on se définit souvent comme des premières de classe. On veut que tout soit parfait, qu'il n'y a rien qui soit croche, là. Tu sais, qu'on prenne bien soin de nos enfants, qu'on soit bien habillée, élégante, qu'en même temps, on dirige des organisations, etc. Alors, on a ce que j'appelle le syndrome de la première de classe. On veut que tout soit parfait. Alors, il y a des fois qu'on n'ose pas prendre des décisions qui nous concernent et qui nous mèneraient à briser les plafonds de verre. Là, je vais vous donner un exemple concret que je raconte pas dans mon livre, mais que Monique Jérôme-Forgette raconte dans un document qu'elle a fait sur les femmes et la finance. Ils ont fait des études sur des entreprises qui affichent des postes de haut niveau, hein, des postes de direction, de cadre, etc. Alors, évidemment, femmes et hommes appliquent. Un gars, quand il regarde les critères, les exigences, s'il remplit à 75 % il applique. La fille, il faut qu'elle aille à 95 % tu sais, sinon, elle ne pense pas que... est capable de faire le job. Mm-hmm. Alors ça, c'était un peu et ça, c'est un legs culturel, moi, je pense. C'est un legs culturel de la façon dont on a été élevé, les exigences qu'on nous a posées. C'est un legs historique. Puis ça prend du temps avant de se débarrasser de ça et de mettre ça de côté. Puis je veux pas le dire pour pas mettre le poids sur les épaules des femmes, mais il reste que c'est un comportement qu'on a dont il faut se défaire. Non, j'allais dire, mais c'est un comportement qu'on a qui est lié aussi à une forme de, je vais prendre un gros mot, là, mais à une forme de traumatisme social. En littérature, par exemple, il y a des tests qui ont été faits, on a fait l'expérience, un même manuscrit envoyé, signé par un nom d'homme, signé par un nom de femme, accepté parce que c'est un nom d'homme et refusé parce que c'est un nom de femme. C'est le même manuscrit, c'est le même texte. On sait que les professeurs à l'université, quand c'est une femme, les évaluations sont beaucoup plus dures, beaucoup moins élevées que celle d'un homme à cause de tout ce que vous venez de décrire. Donc, il y a aussi un traumatisme social qui fait que les femmes n'ont peut-être pas osé laisser aller ce syndrome de la première de classe parce qu'on sait que de toute façon, on est perdante. Mais il y a quelque chose un peu... Oui, contradictoire. Mais écoutez, Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et elle faisait référence à la culture, à l'histoire, à la sociologie. Qui nous a construites tel qu'on est aujourd'hui. Moi, je le raconte dans mon livre, évidemment, mais j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui vivait de façon assez traditionnelle, finalement, mais qui, en même temps, n'avait pas une vision traditionnelle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Au contraire, mon père, autant que ma mère, ne faisait pas de différence. Souvent, mon père venait me chercher pour travailler avec lui dans le garage quand il y avait eu des problèmes de santé à un moment donné. Puis tu sais, c'était... Pour lui, là, une fille pouvait aller réparer un camion, pouvait manipuler des outils.
Puis, dans la maison, mes frères peuvent faire la vaisselle, faire leur lit, faire le ménage. Et ça, ça nous donne un avantage, à mon point de vue, énorme. Et malgré tout ça, j'ai vécu tous mes doutes, mes craintes, mes inquiétudes, finalement. Mais ça a été un énorme apport pour moi dans ma vie personnelle qui m'a aidée pour la suite des choses. Vous avez parlé de comment c'est difficile d'être une femme dans le regard des médias. Là. On parle des médias traditionnels. Oui. Mais bon, depuis quelques années, on le sait, puis vous l'avez vécu, vous le vivez encore. Bon, les réseaux sociaux, on peut harceler, intimider, sexualiser des femmes qui prennent la parole de façon anonyme ou pas, parfois. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment une nouvelle couche de difficulté, une difficulté supplémentaire qu'on ajoute aux femmes qui essaient de prendre de la place dans l'espace public, qui essaient de prendre leur voix? Et que Martine pourrait agir à ça. Ben, je sais qu'elle... Moi, je vais vous dire quelque chose. J'aimerais ça vous entendre, Martine, là-dessus. Mais moi, là, il y a une chose que je fais, que je ne fais pas. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai des amis Facebook. Ça va. Je les vois, je les entends, je regarde ce qu'ils écrivent. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. J'ai eu quelques expériences, mais une en particulier, où je donne une entrevue très simplement à un journaliste dans un grand quotidien du Québec. Et puis, je parle des projets de CPE et de toute la politique familiale, dont je reste toujours très fière. Puis, je dis, bon, il devrait y avoir un investissement plus grand encore pour qu'on finalise le réseau, pour qu'on ait vraiment la possibilité à toutes les familles d'avoir accès à des services de qualité, etc. Là, j'ai eu un déluge de commentaires désobligeants. Ah, oh, ben, c'est bien, elle est riche. Fait que ça a pas d'importance, là, elle peut payer tout ça, tu sais. Puis là, j'ai toutes sortes de remarques, absolument. J'en avais déjà vu avant. Là, j'ai dit, c'est terminé. Hein? Je suis pas obligée de les écouter. Peut-être que quand j'étais au premier ministre, pas peut-être, mais il y a des gens qui regardaient un peu c'était quoi l'opinion et tout. Mais c'est tellement malsain. Et cet anonymat, moi, je ne suis plus capable de ça. On prend des noms qu'on s'invente, finalement, des pseudonymes, et puis on peut dire n'importe quelle connerie, excusez-moi, n'importe quelle vacherie, et on en est victime, ça nous atteint, ça nous meurtrit. Non, merci. Moi, j'ai mis une clé là-dessus, là, j'ai fermé la page, je ne l'ouvre pas. Oui. Je comprends, moi, que vous le fassiez, mais avant de répondre à la question, je voudrais vous remercier pour ce réseau des CPE. Moi, je veux vous remercier énormément parce qu'on oublie, même tantôt, je l'avais mis en note pour répondre à la question d'avant, il y a des pays où les femmes n'ont pas accès à des services de garde, elles n'ont pas accès au milieu du travail, elles sont piégées. Et ça, on a tendance ici à le prendre pour acquis, mais c'est énorme. On ne peut pas parler de femmes qui, même, penseraient un jour mettre le gros orteil en politique s'il n'y a pas de service de garde disponible pour tout le monde. Donc ça, c'est énorme. Ce que vous avez fait, ça a sauvé la vie de plein de femmes et évidemment encore aujourd'hui. Mais contrairement à vous, je pense, bon, moi, j'ai pas commencé mon travail dans les réseaux sociaux, bien loin de là. Moi, je viens quand même de la génération avec les dactylos, là. Oui. Mais il reste que quand j'ai publié Les filles en série, par exemple, qui a été peut-être le livre qui m'a un peu plus mis sur la place publique, c'est un moment où j'ai commencé à envoyer des lettres dans les journaux, où j'ai commencé à développer une parole publique, justement. J'ai pris une décision très, très pensée. J'ai dit là, je vais écrire à l'extérieur de moi, je vais écrire pour l'extérieur de moi. Mais ça a été aussi l'avènement des réseaux sociaux. Mm-hmm. Et donc, moi, je me suis servi des plateformes des réseaux sociaux pour... construire aussi mon travail militant, mon travail politique, mon travail féministe, mon travail d'écrivaine, ça a fait partie de ça. Donc, j'ai comme un rapport, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment un lieu de grande militance et ils nous ont beaucoup servi et continuent à nous servir de toutes sortes de façons pour arriver à se solidariser, justement, à créer des solidarités, à réfléchir ensemble sur un certain nombre de questions. Et en même temps, l'envers de ça, ben, c'est comme, vous le savez, moi, j'ai été l'objet aussi d'un tas, et je continue, d'un tas de méchancetés, de messages haineux, de messages de menaces ou d'incitations à me suicider, de menaces de viol. Enfin, j'ai tout eu, soit sur des pages de commentaires liées à des grands quotidiens, soit dans mes messageries privées, soit sur mon mur. Enfin,
Et il faut gérer tout ça, il faut apprendre à vivre avec ça, puis un peu, bon, moi j'y vais, je me retire, j'y vais, je me retire, je suis comme dans un tango avec les réseaux sociaux. J'y suis tout le temps en surface, mais j'ai plus ou moins de distance selon les moments de ma vie, selon bon, les quantités de messages haineux que j'ai reçus et qui peuvent évidemment me fatiguer. Mm-hmm. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'analyser ces réseaux-là. Il faut qu'on soit capable de les penser. Et le dernier élément que je voudrais mettre en exergue, c'est que la génération... Moi, j'ai une fille qui va avoir bientôt 18 ans. Cette génération-là se forme avec les réseaux sociaux. Ils sont nés dedans. Ils fonctionnent avec. Et ils se sont éduqués politiquement par l'entremise des réseaux sociaux. Et là aussi, on a tendance à leur faire porter à eux l'odieux de bon, on a tout le côté sombre des réseaux sociaux, mais il reste qu'à 18 ans, 16, 18 ans, ils sont plus éduqués politiquement que nous, on l'était à leur âge. Ça, il n'y a pas de commune mesure. Ouais, et c'est évidemment, c'est eux qui vont voter, là. C'est eux qui avancent vers la politique. Donc, il y a tout ça, je pense, à prendre en compte quand on pense aux réseaux sociaux. Mais je pense que c'est des outils puissants et puis on peut pas renoncer. Au contraire, de toute façon, on ne peut pas. On est comme pris avec. Ça envahit notre vie. Mais on peut faire certains, moi, à mon âge, je peux me permettre de faire ce choix-là. Ah, tout mais à fait. Mais c'est vrai, moi, j'ai quatre enfants qui sont plus vieux maintenant, mais quand même, qui sont des adultes entre 30 et 40 ans et qui vivent de ça, hein, qui sont branchés partout, ils n'ont plus de télé, ils n'ont que leur ordi, puis ils vont sur les réseaux. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quand même une réflexion, on doit continuer à faire une réflexion pour que, au moins, il n'y ait pas de discours haineux sur nos réseaux. Oui, absolument. Hein, bon. Et des fois, il y en passe. Passe. D'autres choses, c'est les fameuses fake news. Et ça, c'est intéressant parce que ça amène, à mon point de vue, nos enseignants et notre système d'éducation à travailler sur ce front-là pour donner des outils aux jeunes pour qu'ils soient capables de déceler et de découvrir que non, ça, c'est un message qui est faux versus un message scientifique, sérieux, solide. Comment faire la recherche pour arriver à vérifier si les faits sont justes? Alors, moi, vous avez totalement raison en ce sens-là. C'est un outil puissant. Il apporte des avantages considérables. Puis là, son côté sombre. Absolument. Et c'est le côté sombre qu'il faut essayer d'encadrer ou de limiter. C'est un outil qui peut être utilisé par les groupes de femmes aussi. On l'a vu par toutes les vagues de dénonciation des derniers mois, dernières années. En terminant, j'aimerais vous demander, on sait qu'on est en pandémie, que les femmes sont beaucoup reléguées à des rôles traditionnels de mère. On est vraiment dans le care, là, avec toute la prise en charge des plus malades, des plus démunis, tout ça. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des choses? Est-ce que vous pensez que les femmes vont faire partie de la relance post-COVID, vont être prises en compte? Ben, moi, ça a été une des premières remarques que j'ai faites à des gens qui m'ont interviewée. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les hommes et les femmes? Mais moi, je pense que sur les femmes, ça a un impact plus grand pour ce qui est justement de revenir aux tâches traditionnelles. On l'a vu, on l'a lu, il y a des données statistiques là-dessus, et puis on le sent, on l'entend. Tu sais, quand je voyais tout le monde de l'éducation, où on disait, ben écoutez, moi je peux pas retourner parce qu'il faut que je prenne soin des enfants. Mm-hmm. Ouais, mais le chum, il peut-tu retourner, lui? Il peut pas retourner non plus, il peut pas prendre soin des enfants. Mais je pense qu'il y a quelque chose là. L'autre aspect, c'est que les outils dont disposent les gouvernements actuellement pour accélérer rapidement la reprise, ce sont souvent des investissements dans les infrastructures. Mm-hmm. Or, les infrastructures, ce sont des métiers d'hommes. Il y a une proportion qu'on espère voir grandir de femmes qui sont dans les métiers non traditionnels, mais c'est surtout des métiers d'hommes. Par contre, je suis une femme qui cherche toujours le positif. Par contre, la pandémie va nous avoir amené à développer de toutes sortes de nouvelles façons de communiquer, de travailler. Bon, pense au télétravail. Tu sais, on est en train de se parler aujourd'hui, là. Quelqu'un qui est à Rimouski, à Montréal, quelque part dans sa campagne. Et puis, on va pouvoir communiquer avec des centaines de personnes, alors qu'auparavant, c'était juste par les médias traditionnels, etc. On a développé une panoplie d'outils, de moyens qui, à mon point de vue, là, peuvent amener les femmes à occuper un espace. Parce qu'elles vont se sentir davantage attirées
par ce type de nouvelles technologies que l'aspect traditionnel des investissements dans les infrastructures. Alors, il y a quand même des voies intéressantes qui peuvent s'ouvrir à cet égard-là. Et je veux revenir sur une chose que vous avez dite, Martine. Vous savez que le taux de participation des femmes québécoises au marché du travail était, avant la pandémie, le plus haut au monde. Parce que les femmes se sentaient en sécurité, les familles, parce qu'ils avaient accès à des services de garde de qualité. Et ça a augmenté la richesse de nos familles, puis ça a éloigné la pauvreté. Alors, il y a eu des gains formidables. Des fois, je me dis, entre un discours féministe bien articulé et fort et solide, je me dis, j'ai fait ça, mais j'ai surtout posé des gestes très, je pense, des gestes forts pour faire en sorte que on arrive à l'égalité des chances. Et moi, à 20 ans, je pensais qu'avoir un congé parental, ça devait faire partie des grandes politiques publiques. Et puis, j'ai réussi à le faire à 50 ans. Mm-hmm. C'était pas mal quand même. Non, faut être honnête. Oui. Mais c'est... oui. Et dans la... Enfin, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la pandémie, une des grandes craintes que j'ai quand je vois ce qui se passe, c'est cette redomestication des femmes. Et tout le monde est redomestiqué. Je comprends bien que tout le monde est en télétravail, les hommes aussi sont à la maison. Mais dans quelle mesure est-ce que ça change une dynamique? Est-ce que ça reconduit pas une dynamique genrée qui était là qui était là avant, qu'on travaille tellement fort à défaire, et que là, tout d'un coup, spontanément, comme une sorte de pantoufle, des pantoufles qu'on remet, ben là, on se retrouve à rejouer les mêmes trucs. La charge mentale est encore sur les épaules des femmes. Les soins dépendent encore des femmes. Toutes ces femmes qui sont au front de mille et une façons, c'est sûr que c'est troublant. Et moi, je me dis, je suis comme Madame Marois, moi, je suis optimiste. J'ai toujours tendance à vouloir voir le bon côté des choses. Et je me dis que peut-être cette mise à l'avant-plan du care, donc des soins, doit nous amener collectivement à revaloriser les soins et les revaloriser pour tout le monde. C'est-à-dire, évidemment, la question, c'est de sortir de cette dévaluation de tout ce que les femmes font depuis tout le temps, s'occuper des enfants, faire la nourriture, faire le ménage, s'occuper des personnes âgées autour d'elles, prendre soin des amis qui sont malades, être infirmière, éduquer. Tout ça, c'est considéré comme le fond du baril. Ça, c'est ce qu'on peut faire qui est le moins important, alors que toute la société dépend de ça. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de société, le pouvoir n'est pas érigé. À un moment donné, je me suis imaginée à l'UQAM, où je travaille, enlevant toutes les femmes tombent en grève. Qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça ne marche plus. Il n'y a pas de structure. L'infrastructure, c'est les femmes. Martine, le plus bel exemple de ça, là, c'est nos préposés aux bénéficiaires. Ben oui, hein? Absolument. Alors là, on s'est rendu compte que c'est la majorité des femmes. Il y a des hommes, mais c'est la majorité. Mais c'est la majorité. Ah, on s'est rendu compte qu'elles étaient essentielles dans le système. Ben oui, tout d'un coup. Et qu'on ne les reconnaissait pas, qu'on ne les payait pas comme du monde. Exact. Alors, mais ça va exactement dans ce que vous décrivez. Les femmes qui sont toujours aux premières lignes, dans les soins, l'aide, etc., mais où c'est pas valorisé, c'est pas reconnu, exact. C'est pas payé. Et c'est ça. Et là, pour moi, je me dis, si nos dirigeants doivent entendre quelque chose, et j'espère, Dieu merci, qu'ils vont l'entendre, c'est qu'il faut que ces personnes-là soient payées. Correctement, c'est elles qui doivent être bien payées. Là. C'est pas compliqué, il n'y a pas photo. Et il faut qu'on ait... C'est ce qui s'est fait... Allez, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce qui s'est fait avec les services de garde, parce que nos éducatrices étaient... On disait qu'ils étaient payés au même salaire qu'un gardien de zoo. Mm-hmm. Hein, c'est l'exemple. Ça, ouais. Et puis maintenant, bon, est-ce qu'elles mériteraient plus? Sans doute, mais au moins, elles ont un salaire décent pour ce qu'elles font et la formation qu'elles ont pour le faire. Oui. Et je dirais en parallèle à ça, mais notre travail comme parents, comme éducatrices, comme commentatrices politiques, comme personnes... Bon, il ne faut pas arrêter de parler. Il faut vraiment inciter tous ces jeunes garçons, ces jeunes hommes qui avancent dans la vie. Il faut leur faire comprendre que de donner des soins, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Mm-hmm. Et que cette humanité-là, il faut la mettre en avant. Il n'y a rien de plus important que d'être capable de s'occuper des autres humains avec lesquels on partage la vie. Et ça, c'est notre travail, mais il faut aussi que collectivement, on le mette en avant dans les téléséries, dans les films, dans les livres, que les garçons, que la masculinité ne soit pas cantonnée à un travail qui est plus un travail du fric ou de l'esprit, mais qui n'a rien à voir avec le corps humain, qui est encore relégué au féminin.
Vous avez une belle confusion. En espérant, en fait, que cette crise sanitaire-là puisse amener ce changement de perspective-là sur le travail invisible, essentiel et tellement sous-payé des femmes dans le monde. Merci beaucoup, Martine Delvaux, Pauline Marois, pour cet échange tout en féministe. et bonne chance au Salon du livre. Moi qui suis une amoureuse des livres, j'espère que vous aurez un grand succès à travers tous les moyens nouveaux qui sont disponibles pour atteindre les gens et faire le contact avec les livres, les écrivains, les écrivaines. Merci Isabelle d'avoir animé cette rencontre. Merci Pauline Marois, ça m'a fait plaisir. Merci Martine, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Oui, pareil.